Alors, expliquez-moi ce que vous avez fait jusqu'à présent. Tout d'abord, quelle était la consigne que je vous avais donnée, le thème que je vous avais demandé de travailler. On va commencer par ça. Quel était le thème, tout d'abord? Alors, on devait créer une ligne du temps, oui, avec les plus grandes découvertes archéologiques de Grèce. Oui. Alors, on a décidé de faire la ligne du temps sur la Grèce antique. Il y a 5 grandes périodes. Le siècle obscur, l'époque archaïque, l'époque classique, l'époque hellénistique et la Grèce romaine. Oui. Alors, comment comptez-vous procéder? Donc, on compte procéder donc, pour chaque période, mettre 2 photos, oui, sur le tableau. Et donc, les élèves, comme nous, des professeurs, vont devoir, par la logique, les mettre à la bonne époque. Oui, donc, d'accord. Sous chaque... et vous leur demandez alors de justifier, voilà, chaque fois chaque leur choix. Donc, on va faire sur une feuille A4 pour qu'il soit plus facile avec une description et tout. Oui. Donc on montre en diapo les grandes images. C'est ça. Alors expliquez un petit peu. Donc montrez un petit peu ce que vous avez déjà choisi comme diapo. Donc ici c'est une boîte de maquillage. Voilà. Oui, une boîte de maquillage. Et alors, donc vous avez gardé les données que vous avez trouvées dans les livres. Hein, c'est-à-dire 3e siècle avant Jésus-Christ, voilà, ou 5e siècle. Évidemment, c'est caché pour l'élève qui verra évidemment, voilà, la diapositive. Donc nous, on met un petit numéro et oui, que eux, le site... Vous allez la projeter donc en PowerPoint, enfin avec oui, votre ordinateur. Voilà. Ou les faire photocopier et les mettre au tableau, comme ça, ils ont plus facilement. C'est ça. Et donc chaque élève va venir coller... Ils auront, chaque élève aura une feuille de la ligne du temps. En petit. Chaque élève aura, oui, la ligne du temps. Ils mettre le numéro par rapport à l'image qu'il aura au tableau. Ah oui, c'est ça. Un appariement, quoi. Ouais. Entendons. D'accord. Vous pouvez encore nous en montrer quelques-unes? Périclès, oui. Donc ça, alors, c'est la carte qu'on compte mettre... voilà, une carte vierge, donc vierge des, voilà, des noms, de telle manière. Et vous allez donc déjà placer un certain nombre de noms là? Non, c'est eux qui devront, avec des étiquettes, les coller. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête? Nous, on compte mettre les noms. Les noms, voilà, c'est ça, les noms. Les noms. D'accord. Et alors, y aura-t-il des couleurs qui correspondent, oui, à chaque époque, des périodes? À chaque époque, on aura une, oui, couleur. Ah voilà. Et donc vous allez écrire les noms en couleur ou bien vous allez les écrire dans une couleur neutre et souligner dans une couleur? Je vous pose déjà la question parce que c'est peut-être mieux de les écrire directement dans une couleur. Dans une couleur, moi aussi. Parce que s'il y a deux noms en orange, on saura que orange, je suis vous, je sais plus ce que c'est. Ce sera par exemple la Grèce romaine. Voilà. Entendu. Alors, vous êtes sûr que toutes les œuvres que vous avez repérées se trouvent bien en Grèce, parce qu'il y a de nombreuses œuvres qui ont été, comment dirais-je, conçues dans le monde grec, mais le monde grec couvrait non seulement une grande partie de la Grèce actuelle, disons que la Grèce, le Péloponnèse et la partie centrale, mais pas le nord à cette époque-là, plus toute la côte d'Asie mineure, donc de la Turquie, plus la Sicile, plus le sud de l'Italie, plus des colonies qui se trouvent sur le pourtour de la Méditerranée. Est-ce que vous avez pensé à... En fait, on a fait une recherche de chaque objet. Oui, découvert. Il se trouve bien en, oui, Grèce, en Grèce et pas dans le monde grec. Entendu, parce que sinon, ça créerait évidemment, voilà, donc, des ambiguïtés pour les élèves. Voilà, hein, donc dans chaque objet, voilà, qu'on a trouvé, on a mis le nom sur la planète, voilà, et on a mis la date et où elle a été. Donc n'oubliez pas de leur dire que ce qu'ils voient sur leur carte, c'est... Ce sont les frontières de la Grèce actuelle. Hein, parce que la Grèce n'avait pas... Il faut leur dire ça. Hein, la Grèce actuelle. Et quand je dis la Grèce actuelle, c'est vraiment relativement récent, parce que comme vous le savez, sans doute, hein, la Grèce est devenue indépendante en 1829 de l'Empire ottoman. Hein, et la Crète et toute une série d'îles ne deviendront grecques que beaucoup plus tard. Hein. Ça va beaucoup plus tard. Voilà. Est-ce que vous avez des problèmes concrets, hein, que vous souhaitez me soumettre? Non. Toutes les consignes ont été claires. Voilà. Donc vous-même, vous allez jouer le rôle de professeur et non pas d'élève, hein, devant... c'est ça. Et donc, vos condisciples ici de l'école normale vont jouer, eux, le rôle d'élève. Voilà.
Comme ça, c'est tout à fait clair. N'oubliez pas de bien préciser les consignes quand vous viendrez devant la classe. S'il faut mettre les consignes par écrit. Voilà, de telle manière que ce soit tout à fait clair, hein, tant pour l'aspect chronologique que pour l'aspect spatial. Hein, et qu'eux comprennent bien ce qu'eux doivent faire, hein, ce que vous attendez d'eux, hein, que ce soit très clair. Essayez donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, de bien vous partager les tâches entre vous, de telle manière qu'il n'y en ait pas un qui interroge les élèves, un autre qui colle et un troisième qui soit avec sa baguette en train de montrer la carte. Hein, ça va ? Que ce soit bien réparti. Entendu, merci. Voilà, on doit savoir que en entité, il y a 5 périodes différentes. C'est l'obscur, époque archaïque, époque classique, hellénistique et la classe romaine. Donc, on va commencer par les siècles obscurs. L'historiographie moderne appelle siècle obscur en Grèce antique l'époque qui va approximativement du 2e siècle au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les invasions qui aboutissent à la destruction de la civilisation mycénienne marquent le début de la période. Donc le sucre mycien commence en 1200 avant Jésus-Christ au maximum et s'étend jusqu'en 1015 avant Jésus-Christ. Alors, la deuxième époque, c'est l'époque archaïque. Donc, on désigne l'époque archaïque comme une des 5 époques de la Grèce antique. Elle est définie sur base de styles de poterie. Elle commence vers 620 avant Jésus-Christ et se termine vers 480 avant Jésus-Christ. L'époque archaïque de la Grèce est l'époque des premières cités et de la naissance de la politique, de la démocratie, mais c'est aussi l'époque des colonies grecques et du commerce maritime. Moi, je vais parler de l'époque classique. Alors, en ce qui concerne la Grèce antique, l'époque classique correspond à la majeure partie du 5e siècle et du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire depuis la victoire athénienne à Salamine contre les Perses, en 480 jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand, en 323. Alors, elle désigne ainsi d'aujourd'hui la période durant laquelle les valeurs et les institutions fondamentales du monde grec trouvent leur pleine expression et arrivent à la maturité. L'époque suivante, c'est l'époque hellénistique. Donc, l'époque hellénistique est le nom que l'on donne à la période qui suit la conquête d'une partie du monde méditerranéen et de l'Asie par Alexandre le Grand jusqu'à la domination romaine. Elle est, si l'on accepte les figures d'Alexandre et de Cléopâtre, relativement méconnue et on se trouve souvent considérée comme une période de transition, parfois même de déclin ou de décadence entre l'éclat de l'époque classique grecque et la puissance de l'Empire romain. Cependant, la splendeur des villes telles Alexandrie, Pergane, l'importance des échanges économiques et culturels, le rôle dominant de la langue grecque et sa diffusion modifient profondément le visage du Moyen-Orient antique et comprend plus tard sa domination romaine. Alors, la dernière époque de la Grèce antique est la Grèce romaine, qui s'étend conventionnellement de 146 avant Jésus-Christ jusqu'à 330 après Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, vous expliquer les différentes époques de l'Antiquité grecque. Maintenant, on va faire un petit exercice. On va vous montrer des images correspondant à ces époques. Et ce que vous allez devoir faire, c'est les mettre à la bonne époque. Donc, on va commencer par cette image. Donc, en fait, cette image représente la époque des Lyotes. Elle a été découverte en Mycène en 1275, donc Mycène se trouve ici. Donc elle figure deux lions de part et d'autre d'une colonne, elle a un bas-relief, donc elle mesure 3,10 m de haut et 2,80 m de largeur, et c'est une entrée monumentale de l'acropole de Mycène. Donc je vais vous faire passer l'image. La deuxième image, c'est l'Eflandie. Elle a été découverte à l'île de B en 1100 et 825 avant Jésus-Christ. Donc, l'île de B se trouve ici. Je vous fais passer l'image.
organisation en cité qu'avaient les Mycéniens. Cette organisation est due à la religion et l'attribution à chaque lieu d'un dieu protecteur, comme Athéna pour Athènes. On fonde donc des cités avec des lieux. Cette notion de cité, à contrario, ne s'applique pas à tous les Grecs. Par exemple, en Macédoine, au nord de la Grèce. Donc, je vais vous faire passer une photo. Alors, ici, nous avons le kylix à motif rouge. Il est découvert à Corinthe, de 530 avant Jésus-Christ. Dans la Grèce antique, un kylix est un vase peu profond et évasé qu'on utilisait pour déguster le vin. On a une pièce de Démétrios Ier, fondateur d'un des royaumes grecs de Bactriane. Donc en fait, c'est le roi de Macédoine de 294 à 288 avant Jésus-Christ. En 307, il s'empare d'Athènes et chasse Démétrios de Valère. En 301, il est battu à la bataille d'Ipsos Phrygie. Et son père Antilinos, Monophthalmos, perdit la vie. Cependant, il parvient à prendre la Macédoine et se proclame roi en 294. Donc, cette pièce a été découverte en Macédoine. Comme ici, on a un diadème en or. C'est un élément funéraire du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui a été employé par les monarques comme signe de royauté. Donc voilà, l'exercice consiste à remettre les images à la bonne époque, donc plus ou moins, si vous savez, par rapport aux dates qu'on a dit. Est-ce que quelqu'un a des idées ou on vous laisse 5 minutes en plus? Vous avez des idées? Le diadème, période romaine?
sortant d'ici, la période hellénistique. Oui. Fin des cycles obscurs. Oui. La porte de Lyon, c'est une époque archaïque ou le siècle obscur ? Un des siècles obscurs. Ouais. Si vous n'avez pas d'idée, ben... Des feuilles d'or, ce serait pas la Grèce et les mystiques. J'en avais fait aux autres. Oui, c'est les Thank you.
en première année, donc vous pensez bien que je ne vais pas toucher la pierre, et tout ce que je vais vous dire, ce sont des conseils, dans l'intention que vous puissiez progresser dans le cadre de votre futur métier. Donc il ne faut en aucun cas mal prendre tout ce que je vais vous dire. Voilà, donc inévitablement, une première leçon, il y a, vous en doutez, un certain nombre de petits péchés qu'il faudra essayer de corriger. Alors, tout d'abord, sur le plan de la méthode, sur le plan de la méthode, quelles sont les compétences que vous avez voulu exercer auprès des élèves? Alors, est-ce que vous pourriez me répondre? N'oubliez pas que lorsque vous rédigez une préparation, hein, sur le fameux formulaire que je vous ai indiqué, il faut indiquer quels sont les objectifs que vous visez de telle manière que les élèves soient plus habiles à la fin du cours qu'avant, soient plus intelligents. Ils ont appris quelque chose en termes de savoir-faire. Alors, quel était votre objectif en la matière? D'abord, Wendy. Pouvoir se situer sur une ligne du temps. Pouvoir se situer sur une ligne du temps. Est-ce que c'était l'objectif que vous aviez tous? Oui. Alors, moi, je m'interroge un petit peu. Alors ça, c'est, je dirais, l'objectif, je dirais, primaire, élémentaire. Mais quelque part, qu'est-ce que vous, vous faites concrètement pour que l'élève, hein, ait les outils qui lui permettent de répondre à la compétence que vous venez de me préciser à l'instant? Quels sont les outils que vous lui donnez? En fait, on a expliqué chaque époque quand on a commencé. On a expliqué chaque époque pour que justement ils puissent retrouver d'après les photos où elle se situe dans l'époque. Oui, d'accord. Alors, réfléchissez bien à ce que vous avez fait. Donc, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle habituellement un appariement. Hein, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de documents et en face de ça, vous avez d'autres documents qui, eux, sont, en fait, ce document étant la ligne du temps elle-même, il faut faire correspondre des éléments avec ce document qui est préétabli et qu'on appelle la ligne du temps. C'est ce qu'on appelle un appariement. Est-ce que vous faites intervenir ici la déduction, oui ou non? Il n'y a pas vraiment de déduction, vous êtes bien d'accord. Il n'y a pas un exercice intellectuel qui consiste à partir d'une observation, à en tirer quelque chose, que l'on appellerait la déduction. Ce n'est pas ça. Donc votre exercice ne consiste pas à faire observer aux élèves des documents, ici iconographiques, en vue de les faire réfléchir de telle manière que, par exemple, le caractère plus primitif d'une œuvre puisse la considérer comme antérieure à une œuvre plus élaborée. Ça, c'est ce qu'on appellerait de la déduction, vous êtes bien d'accord? Parce que ce n'est pas ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait concrètement, c'est quoi? Vous avez évoqué, sous la forme d'un exposé, à quoi correspondent chacune des périodes mentionnées ici sur la ligne du temps. Et puis ensuite, vous avez montré un certain nombre de documents, vous avez dit de quoi il s'agissait, et vous avez dit également de quelle époque ça datait. Vous êtes bien d'accord? Et sur base de, ces deux types d'informations, dont un, dire voilà, telle période va de là à là, et deux, voici le document que je vous montre et il date de telle période, et bien sur base de ces deux informations, il fallait faire des liens. C'est ce que vous avez fait, vous êtes bien d'accord? Alors, autrement dit, il n'y a pas d'argumentation, d'une part, des élèves qui justifient le fait que l'on place une œuvre avant une autre, parce que ici, vous ne leur avez pas demandé chaque fois de justifier leur réponse. Donc, les rendre intelligents aurait consisté à leur demander d'argumenter, de dire, mais pourquoi tu places ça là, et pourquoi pas à un autre endroit? Vous allez dire que vous avez dit que votre exercice est relativement simple, puisqu'il s'agit d'associer chaque fois une des périodes qui est sur la ligne du temps
à une date que vous avez mentionnée, donc en illustrant, en explicitant ce qui se trouvait sur les photos. Oui. Or, vous n'avez pas donné comme consigne aux élèves de la classe de noter au fur et à mesure les dates pour chacun des documents. Vous n'avez pas dit « ceci, c'est la porte des Lions, c'est l'époque mycénienne, donc c'est deuxième millénaire avant Jésus-Christ ». Vous ne leur avez pas dit de noter ça. Donc vous supposez que eux ont tout accumulé dans leur cerveau et vous leur demandez de se souvenir en fait et non pas de regarder leur cahier pour donner la bonne réponse. Vous voyez, j'essaye un petit peu de décortiquer les opérations intellectuelles que les élèves doivent faire par rapport à la relative absence de consigne. Parce que la consigne que vous avez donnée, c'est simplement il faudra lier chaque fois une photo à une période. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est quoi ? Leur demander de noter en deux colonnes, dans une colonne le document, voilà, le document c'est la porte des Lions, ou bien c'est un couros, voilà, et juste en face indiquer deuxième millénaire avant Jésus-Christ, le couros 6e siècle ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Là, ça aurait eu du sens, parce qu'ici, vous ne faites qu'un exercice de pure restitution basé sur la mémoire que certains pourraient avoir. Mais ce n'est pas un exercice, je dirais, qui fait vraiment fonctionner leur intelligence. C'est de la pure restitution, et encore basée sur de la mémoire visuelle et auditive, et rien d'autre. Vous ne faites pas intervenir la mémoire écrite. Donc quelque part, pour avoir la mémoire écrite, il faut avoir un support qui permette effectivement de visualiser au moment où la question est posée. Donc c'est la première chose que je voulais vous dire. D'un point de vue méthodologique, il y a un problème par rapport aux compétences qui auraient pu être exercées, même si la compétence que vous avez voulu faire exercer a bien été remplie. On est bien d'accord. Ceci dit, grâce un petit peu au fait que certains étudiants de la classe recommencent leur année et ont déjà vu cette matière antérieurement. Hein, vous avez vu parmi les étudiants qui sont venus ici devant la classe, ben, ils ont un prérequis que n'ont pas les autres. Donc en fait, ce ne sont pas vraiment des élèves, entre guillemets, vierges. Vous voyez ce que je veux dire en termes de savoir, hein. Entendons-nous bien. Bon, alors, maintenant, quelques conseils que je vous donne sur le matériel, tout d'abord. Alors, les documents que vous avez utilisés ici, là, je n'ai rien à dire. La ligne du temps est bien conçue, elle est verticale, donc vous avez respecté les consignes que je vous avais données en début d'année. Il y a des pointillés au début, enfin des traits discontinus, en bas de la ligne du temps et au-dessus, qui montrent que, ben, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Cette ligne du temps est également orientée, donc on sait dans quel sens il faut la lire. Je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Les documents, les photos sont bien disposées de part et d'autre de la ligne du temps, c'est parfait. C'est visible du fond de la classe. En revanche, moi je crois que la carte vierge de la Grèce actuelle, il aurait peut-être fallu couper juste en bas de la ligne du temps et la mettre à gauche sur le tableau de telle manière qu'elle soit plus visible par la classe. J'ai fait un petit signe à un moment donné parce que ceux qui sont dans le fond de la classe ou même qui étaient tout simplement à gauche ne pouvaient pas voir la carte. Parce que le pupitre, enfin, qui est ici, se trouvait juste devant la carte. Ce n'était pas possible. D'accord ? Bon, donc, il faut toujours penser au champ de vision des élèves. Autre remarque. Alors, cette fois-ci, de nouveau en termes de méthodologie. Je crois que c'est Ressus qui, à la fin du cours, a demandé aux élèves de donner leurs idées. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'idées ? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut jamais dire aux élèves, selon vous, à votre avis, ou donner vos idées. C'est toujours sur base d'un savoir positif, quelque chose qui est là, qui est sûr. Parce que si vous demandez aux élèves, donnez vos idées, quel est votre avis, que pensez-vous d'eux,
toutes les réponses seront bonnes. Et vous ne pourrez jamais leur dire c'est pas bon, puisque la question elle-même est subjective. Il faut poser la question, il faut toujours que les consignes soient données en termes objectifs. Je vous demande ceci, et vous devez me répondre quelque chose qui est clair et qui est argumentable. Entendu ? Bon. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'expression. Je n'ai rien à dire quant à l'expression, vous vous exprimez bien, il n'y a pas eu de faute de langage, mais vous sortez d'enseignement secondaire, et ça se ressent fortement. Nous avions tous, je crois ici, l'impression que vous étiez en train de faire une élocution. Un professeur doit posséder la matière qu'il enseigne. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir quelques notes devant lui, ça ne sera pas interdit bien entendu, mais ces notes sont là uniquement comme memento. Ce sont, vous pouvez avoir un plan devant vous. Mais dans les trois cas ici, je vous ai entendu lire pratiquement ce que vous aviez à dire. Alors ce n'est pas tellement le fait que vous ne regardez pas tellement les élèves, c'est surtout que vous le disiez vite, et vraiment comme une lecture. Moi, je suis convaincu que ceux qui ont entendu vos exposés n'ont pas repris grand-chose. Et peut-être eux, parce que ce sont des étudiants qui ont 18-19 ans, mais imaginez des élèves de 12 ans qui entendent une lecture comme ça, très savante, parce que c'est très savant ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit, hein, telle période va de telle date à telle date, c'est l'époque ABC. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait tout simplement leur donner une feuille dactylographiée préalablement, que vous leur donnez avec des dates simples en expliquant, voilà, l'époque hellénistique va de 323 avant Jésus-Christ à 31 avant Jésus-Christ, et vous expliquez, c'est l'époque des successeurs d'Alexandre le Grand qui verront plus tard en classe, mais bon. Hein. Mais vous pouvez mettre ça sur une feuille. Ce que vous avez dit, je crois que ça passe complètement au-dessus de la tête des élèves. Réfléchissez un petit peu à ce que vous étiez quand vous aviez 12 ans. Vous auriez entendu ça de la part même d'un autre élève qui faisait une élocution, ça passait complètement au-dessus de leur tête. Donc dans ce cas-là, je crois qu'il faut une feuille de papier. Et vous écrivez tout simplement sur une feuille, avec ça, voilà, les populistiques va de là à là, etc. Et c'est ça en deux ou trois lignes, pas plus. Voilà. Alors, je regarde encore si j'avais des choses importantes à dire, parce que c'est vraiment pas mon but d'aller dans les détails maintenant. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Donc, ce qui serait bien maintenant, je vois que vous n'avez pas pris note, parce que vous m'écoutiez comme si j'étais Jésus-Christ, justement, hein, dans l'Évangile. Donc, moi, j'espère que vos condisciples ici ont pris des notes, que vous relisiez attentivement ce que je viens de dire, de telle manière que, eh bien, lors d'une prochaine présentation de leçon, vous ayez tenu compte de ce que j'ai dit ici, et surtout, n'oubliez pas que enseigner, c'est pas faire des élèves des perroquets, mais c'est surtout les rendre intelligents. Et les rendre intelligents, c'est se poser des questions sur les objectifs en termes de compétences, en termes de savoir aussi, parce que le but, c'est qu'ils retiennent quelque chose quand même de ça, en termes de contenu, qu'ils se souviennent qu'il y ait une période hellénistique, qu'il y ait une période classique, et que l'histoire de la Grèce ancienne s'étend sur plus d'un millénaire, ça c'est important aussi, ça c'est un savoir. Mais en termes de compétences, n'oubliez pas qu'il faut les faire argumenter, il faut qu'ils déduisent. Et la moindre des choses, c'est de donner des bonnes consignes, de telle manière qu'ils puissent répondre à la question. Or la consigne, vous n'avez pas donné, vous n'avez pas dit, vous notez la nature du document d'un côté, et à côté vous mettez les dates, de telle manière que lorsque certains d'entre vous iront devant la classe pour faire l'appariement, pour faire le lien, eh bien, effectivement, ils ont un support devant eux. Voilà. On va passer maintenant au deuxième groupe. Ceci dit, pour une première leçon, ce que vous avez fait jusqu'à présent, et quel est donc le thème que je vous ai demandé d'aborder ? Donc, le thème, c'est que d'être se mettre dans la peau d'un grec qui voyage jusque Marseille
donc Massalia à l'époque, et de décrire ce qu'il voit sur sa route. Et décrire ce qu'il voit sur sa route. Donc oui. Pour l'instant, on a fait la partie plus narrative, introduction au texte. Et là, on recherche des éléments concrets, par exemple, on cherche à savoir quel temple il y avait à Marseille, enfin, temple de quelle divinité. Et pour l'instant, on est un peu bloqué, donc on approfondit les recherches avant de continuer la rédaction. Et alors, expliquer un petit peu quels seront les, comment dirais-je, les supports dont vous vous servirez pour présenter ça aux autres élèves. On va certainement utiliser des cartes pour montrer l'itinéraire suivi par notre protagoniste. Ouais. Et sinon, c'est sous forme d'un texte continu. Que vous êtes en train de rédiger qu'on pour l'instant. Est en train de rédiger, et qu'on imprimera. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des problèmes particuliers que vous souhaiteriez voir résoudre? Il y a peu d'informations en fait, sur les bâtiments, l'architecture même de la ville à l'époque. Donc on est encore en train de faire des recherches, mais pour l'instant, on est un petit peu bloqué. C'est ça. Mais on va se trouver certainement. Et alors, je vais peut-être demander à Amandine et à Pauline ce qu'elles font, elles en particulier. Est-ce que vous êtes tout à fait en phase avec ce qu'il fait, ou bien vous êtes un petit peu partagé, divisé le travail aujourd'hui? On a tout fait ensemble, tous les trois. On n'a pas une partie. Constamment. Il n'y a pas une recherche documentaire qui était plutôt faite par l'un ou par l'autre. Avant, à domicile, on a chacun cherché des informations, on a tout mis en commun. C'est ça. Et vous êtes basé sur quel type de livre? Plutôt des dictionnaires, des manuels, des livres d'histoire faits par des historiens contemporains, ou... C'est quel type de livre sur lesquels vous êtes basé? Tout ce qu'on a pu trouver en rapport avec le sujet. Quoi. Il y a, par exemple, là, j'ai le dictionnaire d'histoire. Est-ce que vous avez utilisé des sources internet aussi? Un petit peu, oui. Si, un petit peu. Sur le, un site Mais consacré montre à Marseille. Montre un petit peu ce que tu as fait. Montre quelques... Mais c'est le site qu'on a ici. On peut c'est le site qui est là. Donc, c'est un site français. Montrez un petit peu là, ce que vous avez trouvé. Mais qui parle de la ville de Marseille en général, je pense. Oui. C'est ça. Donc, il y a encore d'autres. À chaque fois, il y a une petite. Des petites photos qui s'affichent, mais c'est assez incomplet quand même. C'est assez incomplet. Enfin, on ne saurait pas tout faire uniquement en se basant là-dessus. Enfin, évidemment, il faut des sources. Alors, vous comptez présenter une carte aussi, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, on ne l'a pas encore. Donc, vous allez la faire vous-même. Ce sera quoi, la Méditerranée, ou en tout cas le bassin occidental de la Méditerranée? Tu peux montrer? On a la carte d'un élève de l'année passée, donc on va pouvoir dire pour montrer le trajet. Le trajet. Et on partira de Marseille vers Nice. Oui. Donc pour montrer un peu comment se déroule le voyage pour un grec de l'époque. C'est ça. Et on montre un peu l'architecture de Massalia, ce qu'on va retrouver à Nice, et aussi un peu le voyage, comment il s'est passé. C'est ça. Est-ce que vous avez prévu une ligne du temps sur cette carte pour que lorsque vous allez expliquer, pour que les autres voient un petit peu à quelle période ça se situe? Non, on va leur dire seulement, parce que la ligne du temps, voilà. Ça ne dira rien, puisqu'il n'y a pas une période. Oui. Ça s'étend sur combien de siècles? Ici, nous, ça ne va pas durer sur des siècles. On va dire que Massalia c'est devenu une colonie vers moins 600. Oui. Donc 600 CN, et en 550, les côtes françaises du sud de la France étaient colonisées, donc ça ne dure 50 ans, la colonisation. C'est ça. Et le voyageur, il passe à cet endroit-là à quel moment? Donc c'est vers cette date-là. On avait décidé vers 550. Vers 550. Non, 570. Oui. Non. Oui, 530. Oui, 530. On avait hésité entre plusieurs dates. Voilà. On n'a pas encore fixé, mais c'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, quoi. Entendu. Merci beaucoup. Pour le cours d'histoire, on nous avait demandé de se mettre dans la peau d'un élève du secondaire. Et dans le cadre de l'enquête numéro 4, donc ici, sommes-nous les héritiers des Grecs et des Romains, d'imaginer une croisière en Méditerranée pendant l'Antiquité. Donc nous, on a plus imaginé un carnet de bord que le récit vraiment d'une croisière qu'on aurait pu faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le récit qu'on a établi pour vous raconter notre carnet de bord. Donc on va vous le lire à voix haute comme ça. Donc vous l'avez appris. Donc je vais commencer. C'est par une chaude matinée d'été que mon voyage à la recherche d'une nouvelle terre fertile commença. Alors que les derniers préparatifs se terminaient, j'ai profité de ma dernière journée à Massalia pour contempler les paysages somptueux ainsi que la ville qui m'est si chère.
La mer est si belle qu'elle me rappelait ma fosse natale. Après des heures de contemplation, on m'appelle pour me prévenir que le navire est prêt et que la mer nous attend. Le ciel est dégagé, la mer est calme, et il faut croire que les dieux sont de notre côté, ce qui n'était pas le cas lors de mon arrivée à Massalia. Me dirigeant vers le port, j'aperçois au loin le navire qui nous emmènera vers de nouveaux horizons. Un magnifique pentéconter se dresse devant moi, majestueux et imposant par sa taille et l'alignement parfait de sa rame. Alors que les dernières provisions sont chargées à bord, je vérifie si mon équipage est prêt à partir. Après de longues journées calmes en mer, nous arrivons aux abords d'une crique sur un blanc propice au débarquement du navire. C'est alors que la véritable exploration de cette terre nouvelle débute. A priori, la végétation abondante semble prouver que cette terre est fertile. Je vois des oliviers, de la vigne sauvage et même quelques figuiers. Nous nous mettons à la recherche de ce qui me semble être le plus important pour l'établissement d'une nouvelle colonie, un point d'eau douce. Assez rapidement, je tombe par hasard sur une petite source qui rejoint bientôt un fleuve et qui paraît poissonneux. L'endroit semble idéal. Il est facile pour moi de me représenter déjà ce que pourrait être le futur chantier. À l'est, je m'imagine le port et les cales, comme à ma salière. Mais où ai-je la tête? La première des choses à faire, c'est de construire un temple pour nous attirer les faveurs des dieux. Comme ma salière possède déjà le sien en l'honneur d'Apollon, pourquoi ne pas? Ici, comme on doit s'imaginer un texte de l'Antiquité, on fait comme s'il manquait des morceaux parce que c'est ancien, donc il manque des bouts. Cette nouvelle colonie sera à l'image de Massalia en espérant qu'elle soit aussi majestueuse. Une fois le temple construit, il faut penser à ériger une enceinte afin de nous protéger face aux barbares qui peuplent cette contrée. Les habitations seront bâties de part et d'autre de la rue principale. Celles-ci seront faites de briques de terre crue couvertes de toitures en torchis. Lors de la construction de la ville, il est indispensable de laisser un emplacement situé au centre pour l'agora. Celle-ci aura un rôle politique, évidemment, c'est son rôle principal. C'est aussi là que se réuniront les citoyens pour régler les affaires qui touchent la démocratie et la justice. Sans oublier qu'elle doit faire partie de la vie sociale en étant un lieu où il fait bon se promener, faire des achats lors du marché, se reposer à l'ombre d'un arbre et faire des rencontres. Un des points à ne pas négliger est la construction du port qui sera un point stratégique d'un point de vue marchand et militaire. Il faut hâter l'édification du port car c'est une fois cette tâche terminée que la ville pourra se développer et prospérer. Maintenant, les plans de la ville dessinés, l'idéal serait de trouver une carrière à proximité pour éviter le transport de matériaux tels que le marbre en provenance de Massalia. Le retour vers Massalia est pour la prochaine nuit. Voilà, donc là c'est le texte sur le. Donc sur un voyage vers une nouvelle colonie. Et donc on n'a pas la fin puisque ça a été coupé. Donc on nous manque des morceaux. Et donc pour nous, c'était une autre façon d'illustrer comment pouvait se passer un voyage. Puisque souvent, quand une colonie, enfin quand la ville de départ est belle et majestueuse, on va essayer de faire l'endroit vers où on va. Aussi essayer de faire à son image, on fait ton copie parfois les colonies. Et là, on a pris l'idée de Massalia, parce que donc, c'est Marseille. Et donc, on s'est dit, puisqu'on avait dans la question de départ, c'était on devait faire donc un récit de voyage, mais du sud de la France. Donc on a choisi Marseille, qui est donc le sud de la France, pour ceux qui ne le savaient pas. Et on part de là-bas vers une autre colonie que nous fonderons nous-mêmes. Voilà, donc Pauline va vous montrer un petit exposé. Donc la flèche signifie donc le voyage qu'il a fait.
pour arriver au point orange qui est là. Donc là, c'est l'endroit où ils envisagent de construire une nouvelle colonie. Voilà. Donc pendant le récit, on vous parle du pont des montagnes. Vous ne le saviez peut-être pas, donc c'est un bateau. Donc il a quelques caractéristiques typiques. Donc il fait 35 mètres de long, de manière générale, hein, pas spécialement. On voit qu'il y a deux rangées de 25 rames. Donc, comme vous voyez, le bateau est fait de bois. C'était une des caractéristiques principales des navires à cette époque-là. Et donc la pointe que vous voyez ici sur le devant, en fait, ça servait à attaquer les navires ennemis. Donc ce qui laisse dire que donc, ces bateaux avaient aussi un but, c'était des bateaux militaires qui étaient là également pour attaquer. Donc ça, c'est la cité de Massalia. C'est un plan, enfin, une photo de la cité de Massalia. Voilà. Alors, voilà, il y a différentes caractéristiques principales pour Massalia. Donc à votre avis, la photo là, c'est un agrandissement de cette zone ici. Vous savez ce que ça pourrait être? C'est le port de Massalia. Voilà. Celui-ci. Le dessin sur là-bas. Oui. Un port? Oui. Ici, on voit, moi, je ne sais pas si vous sauriez voir. Celle-ci. Ça se situe vraiment là. Ici. C'est circulaire. Oui. Vas-y, français, go. Et qui veulent remettre dans leur nouvelle colonie. Voilà. Mon commentaire pour cette leçon sera très bref, parce que c'était très bon, tout simplement. Alors, on sent évidemment la différence avec un autre groupe qui vient de passer, tout simplement parce que je crois aussi que, bon, deux étudiants sur trois ici recommencent leur année, et donc on a un sentiment de professionnalisation qui est assez évident. Hein, donc c'est pour ça que je dis à l'ensemble des étudiants de la classe que vous voyez que c'est une matière qui est un apprentissage qui se fait progressivement, et vous verrez que dans un an et dans deux ans, ben, vous serez toujours meilleur, inévitablement, par la force des choses. Donc c'est la pratique qui va vous aider. Et je crois qu'il faut savoir ce que c'est qu'une classe, hein, d'élèves en secondaire pour pouvoir se rendre compte comment il faut réagir et ce qu'ils sont capables de recevoir comme message, hein, pour pouvoir progresser eux intellectuellement. Donc mon commentaire sera bref. Il faut remarquer que ma consigne était destinée à des élèves de première secondaire, hein, puisqu'il s'agit de la quatrième enquête. Alors, les étudiants qui sont passés ici, qui simulaient une situation d'élèves de secondaire, eh bien, ces étudiants ont trop bien fait les choses, puisque la première partie de leur leçon, en fait, consistait à donner le résultat d'un travail d'enquête, sous une forme écrite, puisqu'ils ont dû se documenter, ils ont dû chercher dans des livres, pour savoir comment on vivait, ce qu'était qu'un port à l'époque, quel était le plan d'avis de Marseille, pour ne pas inventer des choses, pour ne pas faire d'anachronisme, et que ça correspond bien à une situation d'antiquité. Donc ça, c'est impeccable, vous vous doutez bien que des élèves de première secondaire ne pourraient pas écrire un texte comme eux l'ont écrit. Ça va de soi. Hein, on croit que c'est un texte d'adulte. La deuxième partie de leur leçon, en fait, était vraiment une leçon de professeur. Il est évident que déjà des élèves ne pourraient pas disposer du matériel qui a été utilisé ici et surtout ne pourraient pas l'utiliser aussi bien, ça c'est sûr. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au groupe précédent, c'est que vous avez remarqué qu'ils possédaient vraiment leur matière. Ils
pouvant parler spontanément. On voyait qu'ils étaient imbibés par leur sujet, ils baignaient dedans et ils pouvaient s'exprimer très facilement. Je vous rappelle, hein, je ne vais pas le dire mot à mot parce que je ne connais plus la phrase précisément, mais enfin la phrase de Boileau, c'est ce qui se conçoit facilement s'énonce aisément également. Et donc quand on comprend bien quelque chose, le dire c'est très facile. C'est très facile. Mais pour ça, il faut avoir les idées claires. Et je crois que c'était le cas ici. Donc très bien. En ce qui concerne les compétences qu'ils vous font exercer et que je ne leur demandais pas, parce que ça ne faisait pas partie de l'exercice, mais enfin ils ont voulu bien faire les choses, ils procèdent par déduction, vous avez vu, ils vous posent des questions, ils vous montrent des photos et ils vous demandent, à partir d'une observation cette fois, de déduire la nature du site. Qu'il s'agisse d'un port ou qu'il s'agisse d'un théâtre ou de l'agora, si mes souvenirs sont bons. La seule petite remarque que je formulerai, c'est peut-être de définir certains mots. Autant pour le navire, les choses sont assez claires, puisqu'ils vous ont montré un dessin, un croquis, et là, il n'y a rien à dire. Massalia, ils vous ont dit où ça se trouvait, donc il n'y a rien à dire aussi. Mais il y a peut-être quelques mots comme agora, des choses comme ça, qui méritaient d'être précisés. Mais je dirais que c'est un petit péché par rapport à la qualité du travail qui vient d'être fait maintenant. Voilà. Donc, je les félicite. Et pour ceux qui ont présenté juste avant, qu'ils considèrent ceci comme un modèle auquel on doit arriver en fin de première année. Il est évident qu'en deuxième et en troisième, il y a encore moyen, évidemment, de bien améliorer les choses. Mais enfin, là, je suis tout à fait satisfait par rapport à ce qui était demandé. Ils ont même été au-delà de mes attentes. Il vaut mieux en faire trop, si c'est bien fait, que trop peu. Je parle ici sur le plan qualitatif et je ne parle pas de l'aspect quantitatif. Merci. Voilà. Alors, il s'agit maintenant de vous montrer un certain nombre d'exercices faits par des étudiants des années précédentes qui peuvent servir de modèles pour des travaux qui pourraient être faits avec des élèves de première ou deuxième secondaire. Le thème abordé ici, ce sont les Celtes. Les Celtes, c'est donc la troisième enquête en première, autrement dit, c'est l'enquête qui se fait entre la Noël et le Carnaval. Voilà, hein, puisqu'une enquête dure approximativement un mois et demi à deux mois, quelque chose comme ça. Alors, je vous montre un certain nombre d'exercices qui ont été réalisés. Je vous montre tout d'abord celui-ci. Vous venez ? Voilà. Je déplace un petit peu le cadavre, parce que sinon tout va tomber par terre. Je le mets ici. Voilà. Voilà. Donc ici, il s'agit d'un cuisse sur les Gallo-Romains. Qu'est-ce que c'est qu'un cuisse ? Un questionnaire, d'accord. Et donc, vous voyez que le principe, c'est que les élèves possèdent des... comment dirais-je... répondent à des questions et ils peuvent avancer au fur et à mesure du travail. Alors, il y a des petites questions comme ceci, hein, qui ont chacune des couleurs. Voilà, je vais en lire une ici, puisque c'est la couleur jaune. Cite trois types de plantes utilisées par les Gallo-Romains dans nos régions au 2e et 3e siècle de notre ère. Voilà, pour cette partie-là. Maintenant, la question rose. À quoi sert un bas-fourneau ? Était-il employé à l'époque gallo-romaine ? Une question bleue. Quelles sont les deux grandes villes de l'époque gallo-romaine dans nos régions ? J'en prends encore une blanche. Si tu devais caractériser par trois adjectifs la société gallo-romaine, quels sont ceux que tu emploierais ? Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez ludique. Et les élèves, à partir du moment où ils ont préalablement... comment dirais-je, eu des bases, ils doivent avoir fait des recherches, ils ne peuvent
pas évidemment inventer les réponses comme ça. C'est une manière, je dirais, intelligente de faire passer un savoir une fois que l'on est bien avancé dans une des enquêtes. Merci beaucoup. On va passer à un autre exercice. Alors, je réfléchis un petit peu. Oui, vous voyez ici que pour le quiz, il y avait donc des couleurs qui correspondaient aux différentes cases, aux différents cartons. Alors, je ne vais prendre que les exercices qui me paraissent les plus significatifs. On va peut-être passer à ce document-là, si vous pouvez le soulever. Voilà. Alors, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Voilà, et vous mettez face à la caméra. Non, c'est peut-être pas trop près. Voilà. Alors, ici, le principe, c'est que sur base de quatre thèmes, l'habitat, le vêtement, route et transport et cuisine, il s'agissait, à partir de photocopies qui sont faites par le professeur, de repérer dans la bande dessinée Astérix, que vous connaissez bien, où se situe ce qui est juste et ce qui est faux. Autrement dit, dans la bande dessinée de Goscinny et Uderzo, il y a des éléments qui correspondent vraiment à ce que l'on a pu trouver grâce aux découvertes archéologiques, et d'autres éléments que vous allez voir barrés, hein, vous allez voir une croix, qui sont en fait des erreurs. Alors, cet exercice ne peut être fait qu'à partir du moment où les élèves disposent d'une documentation qui soit leur est fournie par le professeur, soit qui vient de leur propre bibliothèque. N'oubliez pas toujours de faire attention au barrage culturel, réfléchissez au milieu dans lequel vous évoluez en tant que professeur. Il est évident que dans certains milieux sociaux, on ne dispose pas d'instruments de travail à domicile, on ne dispose pas de dictionnaire, on ne dispose pas d'album illustré, etc. Donc s'il n'y a pas une bibliothèque conséquente et adéquate dans l'école où vous travaillez, ben, il est clair que c'est au professeur à fournir de la documentation pour que les élèves puissent discriminer ce qui est vrai et ce qui est faux dans Astérix. Merci beaucoup. On va passer maintenant à un autre exercice, ici. Alors, voilà. Alors, ici, il s'agit chaque fois, hein, pour l'élève, de distinguer ce qui est vrai ou faux. Et il s'agit d'un véritable parcours du combattant. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Évidemment, c'est à l'équipe qui parviendra à arriver la première à destination. C'est cette équipe-là, évidemment, qui aura gagné. Merci beaucoup. Alors, vous allez prendre le document qui se trouve là. Voilà, vers la caméra. Merci beaucoup. Alors là, ce sont des élèves qui ont dû représenter un village gaulois à partir d'une documentation ou d'informations qui leur avaient été données. Alors on peut même préciser les choses, ou plutôt complexifier les choses, en leur demandant dans un premier temps de leur demander de représenter ce qu'ils croient être un village gaulois, et ensuite de leur donner des informations qui leur permettent de rectifier tous leurs a priori et toute leur représentation erronée. Ça, c'est un excellent exercice. Hein. Si vous faites ça pour la préhistoire, encore certains élèves dans certaines classes apprennent, hélas, que l'homme préhistorique a vécu dans des cavernes. Ils vont vous représenter
des cavernes, des hommes à l'intérieur, avec éventuellement du feu, se protégeant contre des animaux. Évidemment, il faut restituer les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire leur dire que les hommes préhistoriques vivaient soit dans des huttes, soit à proximité de parois rocheuses, enfin contre des parois rocheuses, mais ne vivaient pas à l'intérieur des cavernes, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. C'est toujours plus intéressant de procéder par correction des préjugés plutôt que de leur imposer un savoir tout fait, hein, à partir duquel ils ne doivent donc pas réfléchir, parce que le savoir, il est apporté comme sur un plat d'argent par le professeur. Merci beaucoup. Alors, je vais voir de quoi il s'agit là-bas. Eh bien voilà, vous pouvez reprendre ça. En fait, c'est un complément de l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Comment sont les maisons? Alors, vous voyez chaque fois plusieurs photocopies de la bande dessinée de Uderzo et de Goscinny qui ont été collées sur la feuille. Et les élèves doivent corriger ou confirmer que le document qu'ils ont devant les yeux correspond bien à nos connaissances actuelles en matière d'archéologie. Vous voyez comment sont les maisons? Bien, c'est barré pour le premier, parce qu'effectivement, il est marqué ferme isolée, maison, grenier, atelier, oppida, hein, et ça ne correspond pas, comme je vous l'avais expliqué en classe, hein, donc ce village au Loir, enfermé par une enceinte en bois, ça ne correspond pas à ce qu'on a pu trouver à cette époque-là. Vous voyez pour la deuxième, vous ne le voyez peut-être pas, mais la correction qui a été faite, c'est maison rectangulaire à toit pointu, mur, torchis, paille, bois, voilà, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin ici, vous pouvez déposer ce document-là. Alors, maintenant, on va voir un autre document. Alors, vous allez peut-être retourner ce document et le présenter à Monsieur Durand. Voilà, je vais retourner d'abord. Voilà, complètement. Il faut peut-être un troisième étudiant, Wendy, qui peut venir ici. Parce que je crois qu'à deux, ils ne pourront pas s'en tirer. Vous l'orientez évidemment vers la caméra. Non, vers la caméra. Non, non, regardez un petit peu. Oui, vous pouvez le montrer comme ça, c'est bon. Vous le mettez un peu plus haut. Voilà, je ne sais pas si tout passe, ça passe, je ne pense pas que ça tombe, là. Hein. Sinon, essayez que la partie centrale soit, voilà, comme ça. Alors, ici, il s'agissait aussi, sur base de la légende, ici, montrer ce qu'est une villa de l'époque gallo-romaine. Et il y a une couleur qui est attribuée à chacune des fonctions de cette villa gallo-romaine. Orange, ce qui est utilitaire, jaune, ce qui est, concerne la fonction religieuse, la fonction sociale, je dis en jaune plutôt la fonction religieuse, en rose la fonction sociale, en bleu la fonction administrative et politique, et enfin en vert clair la fonction économique et plus particulièrement commerciale. Quand je dis une villa gallo-romaine, vous voyez en fait qu'il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit, je vois ici, d'un vicus. En fait, un vicus, c'est un village, si je puis dire, de cette époque-là. C'était le cas, par exemple, d'Arlon, hein, à l'époque du Bas-Empire romain. Voilà, et vous voyez ici la fameuse chaussée gallo-romaine qui a été dessinée par des élèves. Merci beaucoup.